Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2. On se retrouve avec notre petit ami Torox, prêt à raser des gens. Alors depuis la dernière fois, le DLC est sorti et j'ai regardé un petit peu les différents, j'ai réfléchi un petit peu aux différentes possibilités, j'ai regardé un petit peu les let's play d'autres créateurs sur le sujet. Je pense, bon, c'est un gameplay que je connaissais pas trop, le gameplay des Hordes, et je pense qu'on changera probablement de stratégie pour les prochains coups. L'objectif, ce sera de faire le moins possible de demi-tours, de passer sur des terrains déjà détruits. On va donc plutôt fonctionner en genre de cercle comme ça, de ville en ville, en rasant des trucs. De toute façon, on peut rentrer en guerre avec plus ou moins qui on veut. C'est pas comme s'ils allaient nous poursuivre, hein. Donc là, l'objectif, c'est de sécuriser, renforcer au maximum notre premier, notre première pierre de Hard. On va donc aller jusqu'à la plaine des araignées, quitte à perdre l'élan qui nous reste, c'est pas très grave, puis ça permettra de voir un petit peu le gameplay là, du déchaînement, comment il descend. Mais prochain coup, on avance, on va entrer en guerre contre eux. Après, peut-être qu'on fera un petit détour par là, on verra, mais sinon on remontera directement sur le clan Caronde là pour lui raser la tronche. Et on va avancer comme ça tranquillement. Donc il fallait qu'on passe le tour puisque on n'a plus de points de mouvement. Et c'est parti. Alors, le clan Caronde qui continue de se balader à droite à gauche. Très très bien. Alors, une faction de chaotiques visiblement a été détruite, enfin de gens comme nous, disons-nous. Alors, on a terminé le bâtiment qui va nous permettre de recruter des trucs, et ça c'est cool. On pourra donc peut-être se débarrasser de trucs un peu pourris pour mettre des choses un peu plus intéressantes à la place. Ici, on a également terminé ça, ce qui nous permet d'avancer là-dedans. Alors ça fait quoi? Portée de déplacement de campagne, moins 20 pour les armées débutant leur tour dans cette région. De nouveau des faibles chances de peste. On peut avoir des plus grandes faibles chances, non, toujours faibles chances. Et on a une garnison supplémentaire. On va prendre. Prenons des sous, nos unités ne nous coûtent rien de toute façon. Alors ici, on prend les 50% de déplacement de campagne bien sûr, et on avance. C'est parti, en plus on va piller un peu la zone normalement, vu que là on entre vraiment dans un territoire... Voilà, parfait. Là, on entre vraiment dans un territoire ennemi. On va donc piller un petit peu. On va annuler le mouvement. Alors théoriquement, au prochain coup, on peut attaquer. Parfait. Donc on va malheureusement perdre notre élan. C'est pas hyper grave, hein. On s'en remettra. Allons-y. Visiblement, il a pas l'air d'avoir d'armée. On est peut-être encore un petit peu loin. Ça me surprendrait qu'il ait vraiment rien. Ouais, non, vu la force, il a forcément quelques trucs. Il vient nous voir avec ses petits agents. Ah, et là, il y a une harde des gores qui a essayé d'attaquer les héros d'Ariel et qui s'est foiré visiblement. On va essayer de faire mieux. Regard des ténèbres. Notre dévotion à la folie et la destruction nous a apporté la faveur des dieux du chaos qui souhaitent récompenser nos actions calamiteuses avec un cadeau. Nous devrions pourtant le refuser. Allons-nous le faire ou allons-nous accepter cette offense de la ruine? Pourquoi le refuser? Croissance de l'ordre plus 5 si on refuse ou alors de la thune? Bah non, on accepte. Votre déchaînement est terminé, bête sanglante. Mais la guerre et la destruction ne sont jamais très loin. Ah, on avait cette quête là qui a été annulée parce que le truc a disparu. Alors, ça nous fait fin du déchaînement. Vous n'avez pas gagné de bataille successive, c'est moins rapidement si vous avez perdu trop d'élan. Gagnez votre prochaine bataille pour commencer un nouveau déchaînement. Et attelez-vous à la tâche. Ok. On a quand même des petits niveaux ici à faire. Alors, toi, recrutement c'est bon, peau épaisse. De l'armure. Et toi de ton côté, répandre la corruption, ça peut être pas mal. Hein. Ou alors on améliore encore son truc. Rébellion animale, ça fait quoi? Une lance de rage traverse le cœur sauvage des montures ennemies, les poussant à se retourner contre le cavalier. C'est un truc qu'on ne peut lancer que sur la cavalerie? Non, pas forcément. Bien abjecte est la vague de créatures rampantes qui viennent grouiller sur les restes de l'ennemi. Pas mal. Drame meurtrier. Élan bestial. Affecte les alliés à portée à chaque fois qu'on jette des sorts. Bonus de charge, 5% de vigueur. On va prendre le petit truc passif, c'est toujours un bon,
un bon choix en général. Alors, si je passe en déplacement normal, il est encore à portée. Très bien, ici on a construit notre truc, donc les mecs sont fatigués. On va avancer un petit peu pour voir un peu s'il y a leur armée qui est là. Oh, ok, leur armée est dans les murs. Très bien. Ça va peut-être valoir le coup du coup de se débarrasser un peu des trucs. Qu'est-ce qu'on voit? Du guerrier squelette, un peu d'archer, un hiérotitan quand même. Niveau garnison, c'est de la merde. Y a pas de mur, y a pas de mur. On va s'éloigner un petit chouille, parce que s'il veut sortir nous attaquer, ce sera avec plaisir, mais autant qu'il n'y ait pas la garnison. Et on va passer en campement. On va virer deux petits trucs comme ça tout bidon, et on va recruter nos deux hardes de Razengor autorisés. Alors on a aussi les chiens de guerre du chaos et une dernière harpie, mais on va rester sur ça, on a nos chiens de guerre ici. On les remplacera par des empoisonnés, mais pas tout de suite. S'ils nous attaquent, j'ai pas envie que l'armée soit complètement à poil. Et du coup, le déchaînement, on est remonté à 3 d'élan, d'accord. Et on a perdu tout notre déchaînement. Ok, on perd tout le déchaînement et on regagne 3 d'élan. D'accord, c'est comme ça que ça se passe. Très très bien. On s'en souviendra. Alors, est-ce qu'il va faire des trucs? Bon, visiblement, il retourne là-bas. Il a recruté un autre truc pour supprimer la corruption, en même temps le chaos doit commencer à piquer un peu. Ah, je l'avais pas vu lui, le petit mec... Oh, et... Ça c'est tombé. Bah du coup on va déclarer la guerre à eux plutôt que prévu probablement. Alors, le repère d'un Jabberslight, sorte d'épouvantable mutant, a été découvert. La créature s'y terre toujours. Nous pouvons tenter de dompter cette bête afin de renforcer la harde ou bien laisser tranquille dans son abominable repos. Invoquer la bête. Rage bestiale, moins 3, recrutement, plus 3 pour toutes les unités. Ou alors épargner la créature. On va l'invoquer. Bon, on prévoit de toute façon de recruter un petit peu dans les tours qui viennent. Et on va raser des gens, c'est pas un problème. Alors, en avant. Bien sûr, on déclare la guerre. C'est parti. Boum! Alors. Qu'est-ce qu'on a en face? Un peu de charognard, un hiérotitan, ça va probablement être lui le plus gênant, mais on a notre gorgone qui devrait pouvoir le gérer. Quelques lanciers... Pourquoi la souris a sauté là? Quelques lanciers quand même. Pas mal d'archers. Mais on a de la cavalerie pour faire le tour. On devrait pouvoir gérer une petite cavalerie là. C'est parti. Voyons un peu ce qu'on peut faire. Ah, par contre, ils ont une sacrée zone de défense, les cons. Je pourrais peut-être pas contourner si facilement. Bon, après, on a un bon impact avec nos unités. On a 13 de magie, c'est pas mal vu ce qu'on a invoqué. Ok, donc il y a vraiment deux ponts. Ça vaudrait presque le coup qu'on se déploie directement là, vu qu'on a le déploiement d'embuscade. Alors on va mettre un Ungor comme on va mettre... Je vais y arriver. Deux de chaque côté là, des avec bouclier. Hop, les tireurs. On va peut-être se concentrer sur un flanc. Du coup vous allez vous mettre là. Est-ce qu'on peut... Non vraiment, l'embuscade est au taquet, hein. on peut pas gérer le reste. Ok. Alors eux sont cachés, hein, c'est le bon côté. Du coup ils peuvent se permettre de faire des trucs comme ça. On va mettre les chiens ici, au cas où il y a moyen de se faufiler, ils seront plus rapides. Les harpies, on va les mettre au centre. Lui, on va le mettre au milieu. Son mandat, ce sera de s'occuper du hiérotitan. On a quand même pas mal de monde, hein. On va mettre Torox d'un côté, le chef homme bête de l'autre. Plutôt l'inverse, puisque pour l'instant on prévoit que ce sera ici le plus gros du combat. Lui va aller au milieu pour lancer son petit sort. Et on a les Minotaurs, on va les mettre au centre pour étudier un peu comment ça se passe. Alors, guerrier,
Guerrier de Nekara ici un peu plus costaud et un peu de lancier, quelques archers, pas mal d'archers. Il a l'air d'être en position pour avancer. Hein. Du coup, on va immédiatement charger nous. On est à portée de ces archers, pas tout à fait, mais presque. On va allumer les guerriers de Nekara. Les pillards Ungor, ils vont charger. Ici, on va pas pouvoir beaucoup se faufiler. Ici, on va rester en encaisser les coups pour l'instant. On a malheureusement pas vraiment de moyen de se faufiler avec notre cavalerie, mais c'est pas grave. La Gorgone, elle va avancer par là-bas. Toi, tu vas avancer ici, peut-être pour attirer quelques tirs. Les Minotaurs par là. Vous deux par ici. Torox, tu vas par là. Et toi, tu vas au centre. C'est parti. C'est quoi, ils m'ont lancé un sort là? Ah non, c'est parce qu'on écrase le décor, ok. Donc là ils nous ont vus, ils vont pouvoir commencer à nous tirer dessus, mais on est déjà... On peut peut-être même réussir à engager un peu de tireurs ici. Donc là pour l'instant ils nous voient pas. Ils restent ici, ce qui veut dire que si jamais ils se déportent par là, on devrait être capable de leur faire un peu mal. Les pillards, vous savez pas tirer. Tirez là-dedans, tirez là-dedans. Vous allez tirer à l'arrière. Mes Minotaurs, ils sont où? Ils sont où? Ils sont là. On a bien dépouillé les guerriers de Nekara, ça fait plaisir. Le héros titan, pour l'instant il reste derrière, donc on va rester derrière. On va envoyer Torox à la castagne. Hein. Il est clairement là pour ça. Vous, on va vous placer un peu plus au centre. Alors toi t'as quoi comme sort déjà? Régression, moins 24 d'attaque en mêlée, c'est pas mal ça. Vas-y, va balancer ça. Alors, il est en train d'envoyer du renfort. Rien d'insurmontable. C'est quand même pas mal dépouillé. Ah oui, parce qu'il nous a balancé un sort, ce petit connard. Il est où le bien grand héros Franklin? Ah, du coup, on s'est fait dépouiller la tronche. Vas-y, charge toi. Ok, il va nous falloir un peu de renfort là. Torox, t'es au contact. Bim. Voilà, une petite explosion. Et il va falloir qu'on envoie un petit peu de monde, toi sur les archers. Où sont ces charognards d'ailleurs? Je les vois pas. J'avais gardé plus ou moins mes harpies pour ça, mais... Pour l'instant, je ne les vois pas. Ici, ils voient pas l'unité. Gorgone, c'est parti. Tu vas passer par ici. Et après, charger là-dedans. Eux, on va les laisser à l'arrière, parce que de toute façon, c'est pas vraiment de la cavalerie de choc, hein, les chiens. Où sont ces charognards? Ah, ils sont là. Vous pouvez vous occuper des charognards, vous êtes considéré comme comment? Menace minime, c'est parti. Ah, il a son sort, je sais pas ce que c'était, mais il nous a dépouillé, hein. Putain. Allez, la Gorgone là. Tu charges. Ici, on va voir une bataille. Alors, ça, c'est du lancier, malheureusement. Ça m'emmerde un peu, mais bon. Ok, ici il est en train de se barrer, ça va être la grosse teuf là-bas. Toi, est-ce que tu peux viser le héros titan? Tu pourrais. Tu pourrais, tu pourrais. Ici, tous ceux qui se rassemblent, faut les renvoyer au fight. Voilà, là, notre Gorgone a engagé l'Hiro Titan. Torox, il est en train de se faire plaisir, même si il est bien cerné. Ici, on a géré les charognards, c'est parfait. Est-ce qu'il y a des trucs éventuellement qu'on pourrait gérer à l'arrière? Pas vraiment. Ah, ils envoient des guerriers squelettes par là. On va les engager avec notre unité. Et après, on ira les flanquer un peu. Les harpies. Ça, c'est de la cavalerie.
Malheureusement, il y a un petit peu trop de monde pour l'instant, donc ils vont devoir rester dans le coin. Nos pillards, par contre, ils peuvent pas tirer un peu dans le tas là. Ils ont pas l'air d'être très très doués pour tirer en hauteur, malheureusement. Alors clairement, nos armes de Razengor, elles sont pas leur avantage. Hein, mais est-ce qu'avec leur force de frappe, elles peuvent traverser? Ah putain, ils sont rentrés en rage, c'est con. Si on s'est pris encore un sort, on dirait. Vous faites quoi, vous? Ah, mais non, mais vous êtes des pillards, pardon. Je pensais que c'était du corps à corps. Allez, ici on engage. Là, il va falloir que les chiens ils se bougent aussi. Ça, c'est du guerrier. Ça, c'est du guerrier. Chopez-moi cela. Lui, il a engagé l'ennemi également. On commence à pousser un petit peu là, mine de rien. Alors, lui, il combat quoi? Le héros-titan, toujours. Ici, on va enchaîner un petit peu les sorts. Hein. Par exemple là, si on pouvait les diminuer un petit peu. Ah, ils peuvent générer des trucs, que j'avais oublié. Tant pis. Les harpies, vous pouvez peut-être vous en occuper, c'est quoi? Ah, des jupchapis quand même. Très très bien. Vous avancez un peu parce que vous bloquez un peu le chemin là. Bon là c'est la déroute. Là on est en train de gagner finalement, c'est le moment de percer un peu. Mes deux unités ici sont rentrées en rage, c'est pas hyper grave. Là les chiens chargent. Mais le moral quand même c'est pas ça. Là c'est pour les fixer plus, on va perdre ce combat ici de toute façon. Par contre je trouve que mes tireurs, ils font pas vraiment le taf. Bon, en même temps ils sont en fuite, certes, me direz-vous. Et toi tu vas te rapprocher par là. Torox, hein, tu peux peut-être nous faire une petite explosion des familles, hein. T'es en plein milieu de ton... Bim, voilà. Essayez donc de charger un peu dans le dos ici. Là. Toi tu te fais le héros titan. Ouais, c'est vrai que les pillards sont vraiment vraiment faiblards. Hein. Et il est où leur hiérophante là? Où est-ce qu'il est planqué? Là c'est le héros titan. Le grand hiérophante, il s'est planqué où? L'ancien squelette, l'ancien squelette. Ah, il est là. Est-ce que tu veux pas être occupé de lui? S'il te plaît. Nasha Wushra. Allez, vous. Occupez-vous donc de ces trucs-là, parce que nous derrière. Ça, c'est la cavalerie. Nos guerriers se rassemblent. Parfait. Go. Ok, là ça va céder doucement. Ici, comme prévu, on est en train de perdre. Est-ce qu'on peut réussir à se faufiler, genre, pour aller attaquer un peu les petites saloperies là? Ah ouais, mais alors son sort là, rien que ça, il gagne le combat avec ce sort. Hein. Putain. C'est une belle saloperie, hein. Hop. Non, mais pas sur les archers. Putain, fais pas ça. Bon, tant pis, ils sont au contact dans tous les cas. Toi, t'as du mal à focus ce qu'on veut focus, hein. Alors, les harpies se sont reformées après s'être pris une grosse tatane, malheureusement. Ouais, voilà, même les archers squelettes sont capables de faire fuir mes loups, ils sont vraiment pourris ces autres, ces chiens de base là. Eux, ils ont réussi à faire le taf. Malheureusement, lien faible.
Même les guerriers squelettes, ils ont une... L'objectif, ça va être d'essayer de descendre le grand hiérophante si on peut. Ouais, alors quand il fait sa boule là, il se fait plaisir. Hein. Boum! Alors là on s'est reformé. Et ici aussi. Bon là je voulais charger éventuellement dans le dos mais c'est mort. Ici il va falloir gérer. Bon, cette bataille n'est pas parfaitement gérée, hein, je vous l'accorde. Je découvre encore un petit peu leurs unités, c'est quoi leur force et leur faiblesse. Ici on va tant pis cramer les harpies pour essayer de d'éliminer un peu d'arrêter un peu les tirs des archers. Ça c'est du lancier. En avant. Il commence à avoir des unités quand même avec des liens critiques qui se débandent. C'est là-dessus qu'on peut gagner une bataille contre ces saloperies de. Vous là. Alors même mes minotaures sont en train de s'enfuir. Quoi. Voilà, on arrive à neutraliser un peu leurs archers, c'est l'objectif. Vous allez plutôt aller là. Ma Gorgone, elle est où? Qu'est-ce qu'elle fout là? Occupe-toi de ce héros titan. Et toi, t'es où? Il est où le grand hiérophante là? Putain, presque pas descendu quoi. Sérieux? C'est une bataille qu'on peut gagner avec nos gros tas. Hein. Clairement. Hein. Toi gère cela ici. On va s'y mettre à deux. Alors, ici, on a été reformé. Ça c'est quoi? Continuez de vous occuper d'eux. Nos Minotaurs, ils ont bien pris cher. Mais ils se reforment. Toi, va donc tailler un petit peu dans le tas là-bas. Ici, malheureusement, on se fait un petit peu dépouiller par les flèches. Allez. Boum! Toi, tu t'es reformé de nouveau. Va donc par là. Vous, plutôt que vous faire tirer dessus. Bon, je sais que vous encaissez les flèches, c'est un peu le but, mais quand même. Non, on va les faire courir un petit peu. Ici par contre. C'est parti. Tiens, t'es là toi. Ça va te faire plaisir. Vous êtes qui vous? Des tireurs, bah c'est parfait. Vous esquivez donc ce fight. Et allez par là après. Le terrain était vraiment pas à notre avantage. Notre cavalerie a été totalement merdiquement neutralisée. L'autre il s'est encore barré, il est où? L'autre connard de grand hiérophante là me dit pas qu'il s'est déjà barré ici. Putain, mais il trace, il est en cavalerie ou quoi là? D'où un vieux. Une vieille saloperie de. Route normale. Lui il s'énerve avec sa grosse hache, on lui envoie 2-3 renforts, histoire de dire qu'il y a 2-3 renforts. Après ils ont un moral particulier mais ils se reforment hein, les mecs. Hein. On peut pas dire le contraire. Hein. Tiens toi. Ils sont où là les rigolos là? Il me dit pas qu'il est tout là-bas là. Où est-ce qu'il est encore? Le grand hiérophante de mes fesses, bon tant pis, affaiblis celui-là.
Torox, il est en mode vénère là. Ah, il est tout là, le temps ce con. Mes unités cachées, j'ai des unités cachées là, ici. Ici, on est en déroute. Ici, on se rassemble. Ah, c'est mon chef Midotor. Ça sent la défaite quand même, hein. Putain, il arrive à repousser ma gorgone, hein. Ah, mais franchement, ce qu'aura tout fait, c'est ce petit con qui court partout là. Non, c'est la défaite. C'est la défaite! Notre gorgone est en fuite. Défaite valeureuse. Défaite valeureuse, mais défaite quand même. On lui a fait mal, hein. Mais j'avoue que. Avec sa position défensive, je m'y attendais pas. C'est pas très très grave, hein. Pour l'instant, je m'inquiète pas plus que ça. Alors, on a gagné un chien-chien du chef. Ok, très bien. On a perdu, donc on met fin au déchaînement. Là-dessus, pas de soucis particuliers. On va passer en mode comme ça pour s'éloigner un petit peu, juste histoire de pas prendre trop cher. On va prendre son petit niveau. De l'aura de commandement nourri par le sang. Ouh, c'est bon ça. C'est très très bon ça. Et on peut recruter. On va donc recruter direct, refaire les unités qu'on a. Vous deux, on va vous fusionner gentiment. Ça, on reprend. Alors, du coup, on a perdu quoi? Toc toc, un petit pillard. Ouais, on va reprendre une harde de lancier, 3 tours par contre, on a que 2 de recrutement avec notre mode. On prend quoi en premier? Une harde de lancier, une harde d'ungor, ouais, ça me va bien. Ça me va bien, ça me va bien. S'il veut m'attaquer avec son armée, avec ce qui reste de son armée, il va quand même dérouiller. Hein. C'est parti. Confédération entre Nagarond et Atganet. Ok. Ok, les chaînes brisées là-bas font des trucs. Gourmandise, la carte est l'art est contrarié, l'ambiance y est délétère, peut-être même plus que d'habitude. Elle n'apprécie pas d'avoir à vénérer la pierre des Arnes une nuit de plus et veut à la place festoyer et se laisser aller. Qu'en dites-vous? Une nuit de festin. Ou alors, prier, sale créature. Un peu plus de commandement, ça va nous aider, clairement. Donc, ouh, il a recruté des prêtres supplémentaires, le petit con. Il nous reste un tour pour finir de recruter. Bon, bah pendant ce temps, on se refait. On a rencontré Tyrannoch. Quel moment on a rencontré Tyrannoch? N'importe quoi. Donc, du coup, Nagarond est jusque-là. Ici, ils sont en train de se faire plaisir. On passe le tour pour recruter. Voilà, sans surprise, hein. Nagarond arrive, il déclare la guerre à tout le monde. Jusqu'ici, c'est normal. J'aurais bien voulu qu'il sorte nous attaquer, l'hôte. Mais bon. Blasphème! Même si vous avez obtenu une victoire des plus vicieuses, les renforts ennemis sont en route et prendront sans aucun doute cette position. Il ne reste que peu de temps. Il est précieux. Devons-nous piller les cadavres ou profaner les hôtels? Nous n'avons pas le temps de tout faire. Profaner. Lune noire. Alors, on pourrait prendre 50% de taux de reconstitution. Coût en effroi, moins 50% pour augmenter la capacité des harpies des manticards sauvages. Incitation à la ruine, ou alors tendance bestiale. On va prendre la tendance bestiale. Rune issue des rituels de la ruine, plus 20%. Ah ouais, ce serait bien de le faire maintenant ça. On sait pas combien de temps ça dure par contre. Destin.
Alors, est-ce qu'on se retente une attaque alors qu'on est loin d'être mis? C'est risqué quand même, hein. Mais d'un autre côté, il faut bien qu'on avance. On a réussi une recherche d'ailleurs. Puissance des armes, plus 10 contre les nains, les wolves, les elfes cisants, les vaisseaux noirs et les nords. Et les hommes. Ça ne sert à rien dans le contexte. Allez, on se retente. Très loin d'être mis. Il nous annonce une défaite de justesse. Est-ce que la map est toujours pareille? On peut pas voir la map? Si, là. C'est la même, j'imagine, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous a repris? Il a de nouveau des archers, il a repris un charognard. Ah oui, putain, en plus, il a amélioré sa garnison. Oh là là, quel enfer. Ça va être compliqué. On va rompre le siège. Là, il y a toujours une armée. On va passer en mode pillage. Et on va aller se mettre juste ici. C'est en dehors normalement de la zone, voilà. On va piller le coin. Quitte à re-rentrer en guerre contre eux. On se reconstitue un peu là. Ouais, vite fait, mais on se reconstitue quand même un peu. On a une recherche disponible. Alors, il pleut du sang, plus de munitions. Effet de l'aura, ça pourrait être pas mal. Hein. On a vu que, mine de rien, ils avaient tendance à vite partir en sucette, les copains. On passe le tour. Alors, est-ce qu'il nous attaque? Il nous attaque. Sans la garnison, c'est quoi notre terrain à nous? Un terrain défensif ou pas? Un terrain défensif en plus. Bah ouais, prenons ça. Allez, go! A notre tour de voir s'il peut réussir à passer nos lignes. Alors, sachant qu'il a son putain de sort de l'enfer, c'est tout à fait possible qu'il passe nos lignes. On va pas dire le contraire. Ouais, on va parier un coup par contre là. Oh, échec. Échec critique. Alors, hop, hop. Donc à faire, on va prendre un peu d'unité en état de chaque côté. Vous ici, on pourrait se mettre. Oh, c'est en dehors de la map là. Ouais, je peux pas me déployer ici. Donc c'est pas très intéressant de se déployer avec les loups. Ah, peut-être que là, remarque, ça pourrait être pas mal. Ici là. Bon, on n'est pas caché par contre. Mais ça pourrait leur donner un peu envie de se disperser. On a perdu nos Minotaurs et ça c'est franchement, je pense, la perte la plus douloureuse de la dernière bataille. Très très clairement. Alors, ils sont diminués, c'est quoi ce truc? Que ma volonté soit faite. Ok. Que ta volonté soit faite. Juste pour voir, si on attaquait ces charognards. Ouais, on est considéré en menace élevée quand même contre eux. Il fait deux corps d'armée. Très bien. On va les avancer ici. Ici pareil. Alors il est où machin le grand hiérophante? Les rotitans ici. Il y a Kateb derrière. Les autres ils sont où? On les voit pas, si, ils sont là tous les deux. Prêtre Lich et Prêtre Lich. Du coup, on va se faufiler avec eux également. D'ailleurs, c'est trop tard pour se faufiler par là. Ici, il y a peut-être moyen, ils sont loin quand même. Ils vont se prendre quelques flèches, mais il y a moyen de se faufiler. Alors là, ils me balancent des projectiles sur la tronche, très très bien, pourquoi pas. Ici on va commencer à avancer. Alors, ils sont réussis à passer ou pas? Vous êtes où? Ah, vous êtes rendu que là? Ouais bah non, moi c'est mort.
Demi-tour, venez plutôt soutenir ici. Là, on a quoi? Du guerrier, on peut les avoir au choc. Il y a quand même des guerriers de Nekar derrière, mais... je vous ai placé où vous? Ici et ici. J'aimerais bien un petit renfort là, de toi. Ici. Ça c'est de l'archer. Mais attends, j'ai pas vu des guerriers de Nekar il y a 2 secondes? Absolument pas. Ah si, il doit être au milieu. Oh, ok, ils sont au milieu. En avant. Et après, ils ont pas de lancier, donc on va y aller avec nos copains ici. Alors c'est qui est devant? Des archers squelettes. Il est en train de charger avec ses archers squelettes. Pourquoi pas? Du coup, j'aimerais bien que toi et toi vous concentriez sur lui plutôt. Alors ici, lui, il est au fight. Explose donc. Là et là, tirez, focussez-vous un peu là-dessus, ici. On est parti, toi tu te faufiles ici et tu me charges ça. Ils sont déjà épuisés, hein, c'est le bon plan de notre Pierre des Hardes. Alors, putain, attention, là, il va nous lancer son sort. Tirez-vous, tirez-vous. Bordel, ça c'est l'enfer ce truc. T'es à portée toi? Pas vraiment. Allez, c'est parti. Toi, c'est pareil, il est peut-être temps que tu te bouges. J'ai un peu patienté là. Ici, on va aller courir un petit peu dans le dos. Éventuellement filer un coup de main là. Comment ça se passe? Là, on est en train de dépouiller ses archers. Ici, nos Beton Gore là sont en train de tranquillement traverser, toi t'es au fight. Là ça a cédé sans grande surprise, mais eux ils arrivent et ça va céder de leur côté aussi. Bim! Bim! Ah ça fait mal au moral hein. Vous, focussez-vous là-dessus. Ok, sur ce flanc ça se passe pas trop mal, ici on en est où? Alors, là c'est bataille de trucs volants. Vous et vous. Ah bah, même pas besoin de reculer d'ailleurs, hein. Vous allez allumer l'hier au titan s'il vous plaît. Alors là, du coup, on avait dû reculer un peu en urgence. On a qui ici? Non, pas eux. On a eux qui sont au fight. Eux qui vont au fight. Eux, ils vont au fight aussi. Ok, très bien. Et il y en a un du coup qui est terrifié par l'emprolon, par le héros titan. Nos loups, ils font le taf. On a quoi là? Du lancier squelette à l'arrière, donc on va pas charger là-dedans pour l'instant. Ici. Putain, ils sont chiants à sectionner eux. La hard là. Elle charge par là, là c'est tombé. Torox, il fait le taf. Les guerriers de Nekara sont en déroute, non pas encore, les guerriers squelettes sont en déroute. Ah oui tiens, occupe-toi plutôt de ces saloperies là. Ici, vous revenez. Là ils sont en train de s'écrouler, c'est parfait. Alors ici, ça donne quoi? On va perdre probablement cette bataille dans les airs, c'est pas forcément gênant. Ici on va se rapprocher un petit peu. Là on allume le héros titan, ça c'est quoi? Une Horde d'Ungor qui s'est reformée, go. Alors ici par contre, on laisse pas passer ça, on envoie nos loups, nos guerriers, nos chiens du chaos, les moins chiants dessus, et ici on les charge de dos. Là, on va dépouiller un petit peu tous ces cons. Eux, ils sont rentrés en rage, donc pas grand chose à faire. Vous pouvez plus y tirer dessus. Bah, tirez donc sur les archers à la place.
pouvoir non. Tirez donc sur le grand hiérophante à la place plutôt. Putain, c'est quoi leur bonus là? Niveau 2 du royaume des âmes, soigne les blessés, restaure jusqu'à 224 PV. Ah putain, quel enfer. Ok, il est en train de faire demi-tour avec son héros titan, c'est donc qu'il se sent en danger. Torox, il est encore parti attaquer des trucs qu'on lui a pas demandé d'attaquer, mais la ligne est en train de s'effondrer, eux on les contrôle plus. Vous, vous êtes en train de perdre, mais vous occupez la foule, j'aime pas les unités volantes, donc c'est pas un problème. Ici, il va être temps de se mettre à nettoyer le reste. Et vous deux, foncez donc par ici. Ok, là ils sont en fuite. C'est un peu chiant mais c'est pas dramatique. Là, il faudrait que mes chiens de guerre du poison, là, ils chargent dans le dos ici plutôt. S'il vous plaît. Eux ils vont occuper le grand hiérophante. Ah merde, c'est eux qui a généré des trucs. Derrière nous ici, d'accord. Alors. Putain, en plus on a des malédictions sur la tronche. Les pillards ils se faufilent tranquillement. Ça c'est de l'archer squelette, ils sont en train de crever. Là on est en train de dépouiller du monde. On va lancer une petite explosion des familles. Non merde, pas vous. Vous êtes où vous? Vous êtes où d'ailleurs? Ah vous êtes là? Bah foncez. Vous voulez pas foncer là? On peut savoir pourquoi vous ne voulez pas foncer sur ces gens? Ah parce que c'est des charognards et ils sont en vol, ok très bien. Les harpies on va les utiliser pour terminer un petit peu. Donc ici l'objectif c'est de faufiler nos pillards pour qu'ils aillent dans le dos là-bas. Avec le reste, on va gérer ce qui reste. Hein. Tout simplement. Donc vous, vous chargez là-dedans. Ici, là. Là, il va falloir se démerder avec l'unité. Unité comme ça, tant pis. Hein. Allez, ici, vous chargez dans le tas. Alors, mes chiens là, reculez. Qu'est-ce que vous foutez là? Sérieux? Une charge, ensuite une charge. Les harpies. Ah oui, je les avais envoyés s'occuper des archers, mais. Ok, toi t'es où? Tu fais quoi dans ta vie? Défonce-moi ça, s'il te plaît. Torox, hein, qu'est-ce qu'il fait de beau? Il est en train de dépouiller eux. Vous, du coup, allez donc par là, filer un coup au moral. Ici, on va continuer de lancer des sorts parce qu'on a beaucoup trop de mana pour s'emmerder avec. Ici, on continue de taper sur le grand hérophant. Tous nos chiens sont en déroute parce qu'ils sont tout pourris. Ici on va commencer à leur tirer dans le dos. Ah du coup il se tourne lui, bah du coup on va essayer plutôt de tirer sur ceux-là. Vous, vous allez revenir dans le dos. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui se rassemble? Là on a quoi? Du mec de base. Eh ben allons-y. Là c'est mort derrière. On a rien. Torox, t'es où? Qu'est-ce que tu fous tout seul là? Bon. Sur ce flanc, il nous reste quoi? Une Horde Razengor hors de contrôle, un prêtre Lich ici. Je pense que tu peux aller t'occuper de ce côté-là maintenant. Eux, de toute façon, ils vont, voilà, ils vont disparaître tout seuls. Le vrai problème, c'est cela. Vous, vous allez justement courir un petit peu, vous en occuper. Et ici on va faire des charges et contre-charges de dos là. Alors,
Là ils sont trop loin mais. On peut tirer un peu près dans le tas. Toi. Reviens là. Bim, si on arrive à le faire tomber, lui, c'est tout bonheur. Ah putain, il est en train de nous lancer son sort de l'enfer. Torox. Fuis. Par ici. Sérieux, le petit connard, quoi. Le petit connard, y a pas d'autre mot. Vous, plutôt que vous faire tirer dessus, chargez là-bas. Ok, on a réussi à le buter. En avant. Là, on les a pris au contact. Ici, demi-tour. Le moral commence à s'écrouler là. C'est très très bon. Putain, par contre, notre gorgone en chie comme un rat. Oh là, comment elle est fait dégager par contre. La gorgone, faut qu'on la sorte de là. On recule ici. On va envoyer un petit sort s'envoyer au titan. Il va falloir y aller maintenant. Allez, on recharge de dos. Putain, même en perdant sa vie, on n'arrive pas à se la faire. Hein. Tous les pillards là, si vous pouviez me l'allumer, ça me ferait plaisir. Alors là, on en est où sur ce flanc là? On a dû finir de nettoyer. Ouais, on a fini de nettoyer, donc maintenant il faut courir par ici. Bon, ils sont tous en train de s'effondrer, il reste plus que lui. Et Torox douille un peu, mine de rien. On va probablement reculer avec lui aussi un petit peu. C'est un peu le problème, hein, c'est qu'ils rentrent pas en déroute. Hein. Il faut qu'ils perdent toute leur vie pour arrêter le combat. Protégez les archers, vous. On a besoin de nos archers. Par contre, on n'a pas besoin de vous, très clairement. Putain, mais quel enfer ce truc, quoi! Allez, bim! Voilà quand même. Putain, ils sont en 34, hein. Et lui, on arrive à se débarrasser de lui petit à petit, mais... Il a tellement un moral de fou, quoi. Tant qu'on n'arrive pas à faire baisser son moral, il perd pas de la vie, quoi. Ok, là c'est terminé, il n'y a plus personne. Alors, toi t'es quasiment mort, tu te calmes. Toi aussi. Tous les autres là, vous me défoncez ce con. Ça y est, il est enfin en train de s'écrouler. Bordel, c'était compliqué. Mais c'est quand même une victoire. Victoire pas facile, mais victoire quand même. Je commence à me faire doucement aux unités. Je pensais que eux auraient beaucoup plus d'impact de charge en fait, mais ils sont vraiment trop faibles en choc. On va voir qui s'en tire, je suis pas confiant pour lui là. Ok, il s'en tire avec je ne sais combien de PV. Alors on va carrément prendre les 6%. Hein. Malheureusement, c'est pas du tout dit qu'on soit en état de leur retomber dessus derrière. Alors, corruption chaotique ou magie d'un chaman bray? Corruption chaotique. Et on a une potion de soin, ça c'est cool. Et on a tué 2000 ennemis au combat. Parfait.
Alors, et il faut maintenant qu'on fasse un combat contre des elfes noirs. Ok, très bien. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode, il est largement assez long, du coup il y avait de l'action. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.